parole constante. Et maintenant, je donne la parole à Abdan Abdamiri, militant palestinien, représentant de la communauté palestinienne en Belgique. Merci. Bon travail à tous. Merci. Effectivement, donc, nous, dans la communauté palestinienne, nous étions dès le départ très intéressés de s'associer à cette rencontre importante. Pourquoi elle est importante? Parce que la question qui est posée, comment être solidaire avec les Palestiniens? C'est une question centrale pour tous ceux qui veulent faire quelque chose pour la Palestine, dans leur coin, dans leur ville, dans leur village, etc. La rencontre de cet après-midi, puisqu'il pose la question comment être solidaire, comment être actif dans le BDS, dans le domaine que vous concerne, donc là où vous êtes actif dans votre vie, vous direz professionnelle ou autre, cette question-là pose des problèmes pour certains. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce qu'on appelle le lobby, parce qu'il y a un lobby ici en Belgique comme dans d'autres pays européens, pro-israéliens, effectivement, ce lobby, il a commencé à fonctionner et faire des pressions. C'est la raison pour laquelle cette rencontre annoncée tardivement dans cette salle, justement parce que le lobby il a fonctionné, il a même réussi à nous empêcher à faire l'activité ailleurs. Ailleurs, c'était à Molenbeek précisément. C'est la raison pour laquelle je dirais votre présence, moi personnellement au nom de la communauté palestinienne, je vous remercie énormément d'être là, d'être avec nous. Et sachez que cet après-midi, ça sera très riche parce que différentes personnes elles vont répondre à la question comment être solidaire avec les Palestiniens. Et les Palestiniens, croyez-moi, ils ont besoin de vous, de votre solidarité pour faire avancer le combat national palestinien vers l'indépendance, la libération des territoires, etc. Et merci. Merci, madame. Je donne la parole à Michel. Oui, et voilà. On peut commencer les débats. Est-ce qu'on m'entend bien avec ce micro ? Bien. Notre premier panel devait comporter Salah Salah, venant spécialement de Palestine. Au dernier moment, nous avons appris qu'il ne pourrait pas venir parce qu'il y a demain une réunion très très importante en Palestine, Mahmoud Abbas ayant convoqué une réunion du Comité national palestinien sans demander l'avis des autres composantes. Il y a donc toute une discussion et sa présence est nécessaire là-bas par rapport à ça, mais il est en pensée avec nous. J'accueille donc Rania Mahdi, Hamdan Aldamiri et Muriel, l'auteur du film que vous avez pu voir maintenant. Sur le thème, Rania Mahdi, vous êtes donc une réfugiée palestinienne. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours, celui de votre famille ? Bon, d'abord, je ne suis pas réfugiée palestinienne en Europe. Je suis réfugiée palestinienne en Palestine. Oui, ça pourrait être bizarre pour vous d'être réfugiée dans sa propre pays. Évidemment, mes parents ou mes grands-parents originaires de Jaffa, Beit Dajan Jaffa, c'était parmi les 531 villages qui étaient complètement rasés et les peuples déplacés. Et heureusement, mon grand-père atterrit à Ramallah où je suis née. Alors, la raison pour laquelle je m'ai trouvée en Europe, c'est pour faire mes études. Mais évidemment, c'était un long voyage très très dur parce que j'étais expulsée. Et je suis arrivée au Jordanie, après la Syrie, le Liban, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan, le Yémen, l'Irak, l'Angleterre et la Suisse. Voilà. Je ne vais pas raconter chaque pays, qu'est-ce que je fais là-dedans, ça c'est un autre discours. Mais là, juste pour vous dire que ce n'est pas facile d'être palestinien à l'extérieur. Et ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas arrêté de lutter, d'abord pour mobiliser les gens, pour qu'on prenne, évidemment, c'est quoi l'historique de cette problématique, et en même temps, d'expliquer aux gens, ça veut dire quoi, réfugiés palestiniens. D'abord, j'ai oublié de remercier les organisateurs de ce panel, et je suis très honorée d'avoir beaucoup de camarades, de militants, d'amis solidaires qui viennent de la France, de Belgique, etc. Je suis très, très, très émue. Merci. Alors, on voit bien avec ça, qu'est-ce que ça représente concrètement d'être un exilé. Vous pouvez chacun imaginer ce que serait d'être passé par autant de pays sans être jamais chez soi. Et votre activité, maintenant, c'est quoi? En fait, depuis le début, je voulais faire de droit,
droit international, droit de l'homme, voilà. Et c'était vraiment un but pour expliquer, utiliser le langage international pour lutter en fait en faveur du peuple palestinien. Parce que si on revient à l'historique, le droit international, le droit de l'homme, c'était fait par le Western European, on peut le dire clairement. Dans ce cas-là, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous de comprendre comment on peut utiliser cet moyen de lutter. Dans ce cas-là, moi, je l'appelle la lutte juridique, honnêtement. C'est pour ça que je n'arrête pas. Moi, je n'aime pas les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est eux qui ont créé l'État d'Israël. Mais je n'arrête pas de déranger. Je suis très contente de représenter une organisation palestinienne basée à Bethléem qui s'appelle Badil Research Center for Palestinian Residency and Refugee Rights. Bon, je suis employée de l'État suisse, mais j'ai réduit le temps de travail de 2006 après la guerre de Gaza, qui était vraiment très puissante. Ça m'a dérangé qu'il n'y avait aucun Palestinien NGO qui pourrait arriver au Palais des Nations à l'époque. Et là, c'est moi qui demandais une organisation s'ils sont d'accord. Et j'étais trop sensible par rapport à la cause des réfugiés palestiniens. Parce que d'abord, à la fois, je suis réfugiée dans mon propre pays. Et en même temps, j'ai passé partout, comme j'ai dit, la Syrie, la Jordanie, le Liban, et j'ai vu la souffrance des Palestiniens réfugiés qui sont restés, vraiment gardés le même statut, que vous pouvez imaginer, trois générations qui sont gardées le même statut. Et là, j'aimerais bien juste vous expliquer, le statut de réfugié palestinien, c'est quand même, c'est pas le même statut de réfugié du monde. Et ça, c'est, on est en train de lutter sur ça. Et je vous conseille d'y aller sur le website de Badil, de voir la différence entre un réfugié palestinien et un autre réfugié dans le monde. Est-ce qu'on peut parler de l'ensemble du peuple palestinien? Qu'est-ce que ça fait dans leur vie concrète d'être balayé partout? C'est une question piège. Alors, bon, moi je trouve, ok, je suis devenue suisse depuis 17 ans, mais toujours je suis palestinienne, voilà. Et là, ça c'est quelque chose qui prouve, moi je vois plein de gens, Hamdan, après 50 ans, il est retourné au Palestine. Mais moi, je suis née au Palestine et je n'ai pas le droit d'y aller au Palestine, malgré que je suis européen. Et je travaille comme juriste, je travaille à l'État, mais malheureusement, je ne peux pas y aller visiter mes parents, ma famille, etc. Juste pour dire, ce n'est pas pour parler de mon parcours privé, personnel, mais en fait, juste pour dire que nous, on porte la Palestine avec nous. Voilà, c'est ça. Alors, et moi, comme je trouve des troisième génération palestiniens au Liban ou ailleurs, lorsque je demande dans la rue, dans un camp de réfugiés, « Vous venez d'où ?» Alors l'enfant, il me dit jamais, « Voilà, je suis de tel camp de réfugiés. » Elle dit, on est de tel village qu'il n'existait plus sur la carte géographique. Et là, juste pour répondre à votre question, nous, on porte la Palestine avec nous. Et voilà, et avec votre solidarité, on continue à porter la Palestine avec nous. Hamdan, je te connais depuis longtemps, puisque j'ai habité longtemps à Liège, tout près de chez toi. Et il y a très peu de temps, tu es retourné pour la première fois dans ton pays. Voilà, merci. Effectivement, moi je suis né dans le camp de réfugiés de Tul Karem, en Cisjordanie. C'était après 48, bien sûr. Mais ma famille, elle est venue d'un petit village dans la région de Haïfa qui s'appelle Arab al-Damaira, d'où le nom, mon nom à moi, al-Damiri. Et ce village-là, il a existé jusqu'à 48 et puis il a complètement été démoli comme le reste des villages palestiniens qui ont été démolis pour dire que les Palestiniens n'étaient pas là. L'année passée, je suis retourné, parce que comme je suis né avant 67, je suis retourné l'année passée, 2017, justement en Cisjordanie. Justement, 50 ans après, je dirais, de voir comment se présente le paysage dont j'étais enfant à l'époque. Et j'ai eu l'occasion, là, de rencontrer quelqu'un de ma famille qui est fort intéressé de faire une recherche sur notre village natal. Donc, elle s'est rendue là-bas plusieurs fois. Et une fois, elle s'est rendue avec quelqu'un qui a un certain âge,
qui se rappelle de la période avant 48. Et il a fait des photos. Et une des photos qu'il a fait, c'était notre maison. Quand je dis notre maison, la maison de mes parents, parce que moi, je n'étais pas né. Et cette maison-là, qu'est-ce que j'ai ici? Il est là, parce qu'il m'a envoyé la photo. C'est des ruines, des pierres qui se trouvent par terre. C'est la seule chose qui reste de la maison de mes parents qui se sont mariés là-bas avant 48. Et une partie de ma famille est née là-bas. Moi-même, je suis né dans le camp de réfugiés, je répète, de Tolkarem. Et puis après, voilà, après 67, sur mon parcours rapidement, après 67, ma famille, elle s'est exilée en Jordanie cette fois-ci, de nouveau dans un autre camp de réfugiés qui s'appelle Al-Husn, dans le nord de la Jordanie, tout près de la ville de Erbid. Et après avoir terminé mes études secondaires, je suis venu en France pour apprendre le français. J'étais à Dijon pendant un certain temps. Et ensuite, je suis venu ici en Belgique pour étudier à l'université de l'UCL. Je vois que le français a été appris très très bien. Pourquoi BDS en tant que Palestinien? Parce qu'en face, on nous dit « Oui, mais tous les Palestiniens ne sont pas d'accord avec BDS. Pourquoi ?» Pourquoi? Est-ce que tous les Palestiniens, peut-être à certains moments, il y avait un débat. Il y avait un débat, mais ce que je sais que depuis quelques années, suite à peut-être au constat de différentes organisations palestiniennes, quelles que soient, ben, ils sont, je crois, toutes arrivées à la conclusion que le BDS est nécessaire pour faire avancer la cause palestinienne. La seule manière que ça bouge? Pas la seule manière, mais c'est une manière importante. Le BDS, c'est comment faire pression sur l'État d'Israël. Parce que l'objectif de BDS, c'est de faire des pressions. Ce n'est pas de casser quoi que ce soit. Israël ne comprenne pas, le gouvernement israélien successif, qu'il soit de droite, de gauche, de centre, peu importe, ils ne comprennent que le langage de la pression. Or, la pression sur Israël passe par les intérêts. Le BDS, c'est de dire à Israël, l'occupation coûte, il doit coûter. Il faut que l'entreprise occupation, à mon avis, devienne une entreprise perdante. Tant qu'elle est une entreprise gagnante, c'est l'économie. Moi, j'ai fait mes études en économie. Tant qu'on gagne, on continue. On continue. Israël continuera l'occupation tant que l'entreprise d'occupation est gagnante. Et elle gagne beaucoup, Israël, économiquement, politiquement, prennent la terre, l'eau, etc., etc., etc. Donc, quand on voit les rapports de ce qu'on appelle l'échange commercial entre les territoires occupés et Israël, ça, c'est incomparable. Israël vend pour plusieurs milliards de dollars de produits dans les territoires occupés. C'est le deuxième client après les États-Unis. Voilà, c'est le deuxième client après les États-Unis. Et qu'est-ce qu'il importe des territoires occupés? C'est quelque chose équivalent à 250 millions de dollars, ni plus ni moins. Alors qu'il vend à peu près 5 milliards pour 5 milliards. Comment voulez-vous qu'Israël, qui gagne autant d'argent grâce à cet échange, va quitter les territoires occupés? Okay. C'est impossible. Donc, le prix de l'occupation doit devenir trop cher, seule manière de faire payer Israël, de faire reculer Israël. Je me tourne vers Muriel, qui nous a présenté son film ce matin, La clé du sol. Je crois que le titre, il est très en rapport avec ce qu'on vient d'entendre. Oui, en fait, tout ce que j'entends là, c'est exactement ça. Moi, après un premier film, Stop the Wall, je traitais plus du mur et de ses conséquences, de l'eau, de la terre, enfin, et des déplacements aussi. Et lorsque je suis donc allée en 2013, j'avais remarqué beaucoup de fresques avec la clé. Et c'était resté comme ça dans ma tête en me disant, mais bon, est-ce que c'est juste un symbole? Est-ce que ça représente encore vraiment quelque chose pour les Palestiniens? Et donc la clé du sol, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on est allé dans les villages détruits, essayer de recueillir de savoir un peu si est-ce qu'aujourd'hui le droit au retour est vraiment pertinent. Justement, tu parlais des troisièmes générations, et donc questionner aussi les plus jeunes. Et en fait, tout ce que tu as dit avant, c'est exactement ce que je retrouve. Donc c'est pas une seule quelques personnes, quelques Palestiniens, Palestiniennes qui revendiquent. C'est parce que moi, j'ai vraiment allé questionner les gens, des gens comme nous, des gens ordinaires. Je ne suis pas allé voir des autorités et autres. Ce qui m'intéressait, c'était la parole des gens de la rue, enfin de la rue civile lambda, quoi. Et donc, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, parce que c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le film. Et
Et voilà, quoi. J'encourage chacun à contacter Muriel, parce que je pense que utiliser le cinéma et l'art en général, c'est vraiment un moyen très important pour faire réfléchir les gens, mais aussi pour leur faire ressentir. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport au film, ou est-ce que vous avez, Muriel, une question par rapport à nos amis? Non, parce que tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Je l'entends dans le film. Donc, ça ne fait que conforter, en fait, appuyer encore un peu plus cette conviction qu'ils ont tous, quoi, du retour. Alors, en fait, moi, je n'ai pas vu le film, malheureusement, je viens d'arriver. Mais j'aimerais bien voir le film. On a l'occasion de vous inviter aussi à présenter votre film à Genève. Je serai très contente. Mais juste pour vous dire, la question de droit au retour, c'est pas vraiment un rêve loin de réaliser. Regardez maintenant les gens de Gaza, parce qu'on parle très peu de Gaza. Regardez les gens qui souffrent depuis la journée de la Terre, le 30 mars. Est-ce que vous pensez que c'est facile de mobiliser les gens, d'y aller manifester vers les frontières? Hier encore, malheureusement, il y a 4 qui ont été assassinés. Il y avait plusieurs personnes qui étaient touchées par des balles interdites mondialement, etc. Et là, ça présente quoi? À part la fermeture de Gaza, les closures de Gaza, mais aussi, c'est la revendication de droit au retour. Et juste un petit truc, vous savez, les Palestiniens parmi les plus grands nombres de réfugiés dans le monde, 8 millions de réfugiés, 7 millions et quelque chose par rapport aux chiffres officiels des Nations Unies. Ça n'existait pas à un autre peuple. Il y a 2/3 de peuples qui sont à l'extérieur. Voilà. Voilà un chiffre qui dit énormément. Je remercie nos invités. J'appelle David Cronin pour me rejoindre sur la scène rapidement, puisque le temps nous est... David Cronin est journaliste irlandais, il travaille à Bruxelles, il couvre l'Union européenne, il a écrit... David est là. Vous m'entendez? Bien. David Cronin est journaliste irlandais, il travaille à Bruxelles, il couvre l'Union européenne depuis longtemps. Il s'est déjà fait remarquer, je crois, par certaines institutions européennes qui ne l'aiment pas beaucoup, trop critique. Il a écrit des livres sur l'Union européenne et Israël. Et voilà, il a une bonne communication en tant qu'auteur, parce que je ne pense pas qu'on peut compter sur les médias pour en faire beaucoup la publicité, donc il faut la faire nous-mêmes. Europe's Alliance with Israel, Aiding the Occupation. Ben, c'est ma première question. David, nous sommes là avec le bilan tragique de la marche de la Terre. Combien de morts et de blessés exactement? Et est-ce que l'Union européenne est neutre comme elle se dit. Merci beaucoup, Michel. Oui, les derniers chiffres que j'ai trouvés ce matin disent que depuis le 30 mars, depuis le début de la grande marche au retour, Israël a tué 39 ou 40 Palestiniens pendant les manifestations. Le chiffre, et des centaines de blessés. Le dernier chiffre que j'ai reçu pour les blessés est presque 6 500. L'Union européenne se dit neutre, mais dans vos recherches, on voit qu'en fait, l'Union européenne aide à fabriquer les armes qui ont tué. Concrètement? Exactement. Amnesty International hier ont appelé pour un embargo des ventes des armes au Israël. L'appel d'Amnesty focalise principalement sur les États-Unis, mais on peut même critiquer l'Union européenne pour le fait qu'ils sont augmentés. L'exportation d'armement en Israël. Par exemple, pendant la semaine, j'ai vu des chiffres pour la Grande-Bretagne. Si je me souviens bien, la Grande-Bretagne a doublé
leur exportation d'armement en Israël entre 2016 et 2017. Je voudrais qu'on se concentre sur les programmes de coopération entre l'Union européenne et Israël. Il y en a beaucoup et ça représente beaucoup d'argent. Combien? Certainement. Israël est un partenaire clé de l'Union européenne au sujet de research scientifique. Le programme de l'Union européenne de research scientifique, il s'appelle Horizon 2020. Il a un budget énorme. Combien? De 700 millions? De 80 milliards d'euros entre 2014 et la fin de la décennie. 80 milliards d'euros de coopération de l'Europe avec Israël. Non, ça c'est l'ensemble du programme. Ça c'est le budget total. Mais Israël a déjà reçu 640 millions d'euros de ce programme depuis 2014. On parle beaucoup des drones qui sont une arme très très meurtrière contre les Palestiniens. Et là, est-ce que l'Europe aide à fabriquer ces drones? Oui, on peut dire ça. L'Europe subventionne les fabricants des drones israéliens comme des entreprises principales qui fabriquent les drones israéliens s'appellent Elbit et Israel Aerospace Industries. Ces deux entreprises ont reçu des subventions de ce programme de recherche scientifique et y compris des projets dans ce programme de recherche scientifique Horizon 2020 qui focalise sur les drones et l'application des drones, par exemple pour la sécurité frontalière et la lutte contre des réfugiés par d'utiliser des termes simples. Après les massacres de Palestiniens qui ont été commis, un responsable de la police israélienne a déclaré « Nous savons où va chaque balle ». Je crois que là, il y a une firme israélienne qui est aussi impliquée, Mellanox, et qui est aidée par l'Europe. Vous pouvez en dire deux mots? Oui. Et Avigdor Lieberman, le ministre de Défense israélienne, a dit aussi qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de civils en Gaza, c'est-à-dire que tout le monde à Gaza est une cible selon le gouvernement et les autorités israéliennes. L'Union européenne en dit presque rien sur cette déclaration dégueulasse de Monsieur Lieberman. Chaque semaine, l'Union européenne fait un appel pour le calme à Gaza. Ils appellent aux Palestiniens en effet de ne manifester pas. Et ça, c'est dégueulasse. À mon avis, les Palestiniens ont des droits de manifester contre l'apartheid, l'occupation israélienne. Ça, c'est un droit principal. L'Union européenne dit tout le temps que les représentants de l'Union européenne disent tout le temps nous soutiennent les droits de l'homme, mais pour quelques raisons, ils ont décidé de faire exception. Israël, je voudrais qu'on soit très concret sur les aides qui sont apportées, que les gens aient les informations. Israël dit évidemment que les Palestiniens sont des terroristes et je pense que l'Union européenne collabore avec une firme israélienne qui traite les Palestiniens en terroristes. C'est Israel Team, c'est ça? Vous pouvez dire deux mots? Oui, certainement.
Israteam, j'ai oublié le nom de la mission, mais Israteam est une entreprise israélienne dirigée par un ancien chef de l'armée israélienne, ou un des chefs de l'armée israélienne pendant la deuxième intifada. C'est-à-dire que quand ils ont bien massacré les Palestiniens, après ils prennent leur retraite et ils font du fric avec l'expérience qu'ils peuvent vendre. Beaucoup de fric. Beaucoup de fric. À mon avis. Récemment, Trump a pris position pour l'annexion de Jérusalem-Est, Jérusalem capitale d'Israël. Et il y a une police à Jérusalem qui traite très mal les Palestiniens. Est-ce que c'est vrai qu'elle aussi est aidée par l'Union européenne? Oui. Pas la police directement, mais le ministère de sécurité publique qui est le responsable pour la politique de police. Il a participé dans beaucoup des projets financés par l'Union européenne. Ici en Belgique, on connaît bien l'exemple de l'Autrain. On va parler tout à l'heure. On va parler sur ça, mais il y a des autres exemples de coopération. Ma dernière question, excusez-moi. Non. Je m'excuse d'avance, je vais être aujourd'hui très impoli. Je vais tout le temps couper la parole à tout le monde, mais je pense que les derniers intervenants doivent aussi pouvoir vous parler et malheureusement, on devra évacuer la salle à une certaine heure. Quand vous dénoncez tout ça, les dirigeants de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent presque rien. Ils disent que Israël est une démocratie et que Israël partage les valeurs européennes. Mais à mon avis, ça c'est une admission. L'Union européenne a décidé, en effet, d'admettre qu'ils aident le système d'apartheid israélien. Bien. Puisqu'en haut, on ne bouge pas, quel est votre conseil aux citoyens pour faire bouger les choses? Fait le contraire que les hommes politiques veulent augmenter le commerce avec l'Israël, c'est-à-dire que c'est notre devoir de boycotter l'Israël. Merci pour cette conclusion. Je vais appeler Mario Franzen et Adrie Niehoff pour un débat sur les banques, les entreprises et le désinvestissement. Je tire donc en conclusion de ce qu'on vient d'entendre que l'Union européenne estime qu'on partage des valeurs avec Israël qui massacre, qui torture, et qui viole constamment les droits de l'homme. Mario Franzen, tu as été responsable d'Intal pour la Palestine, tu es à présent le responsable de l'organisation de Manifiesta. Intal, vous avez mené une campagne très importante contre la banque Dexia, qui est au départ une banque publique des communes en Belgique, puis qui a été privatisée. Et c'était quoi le problème avec Dexia? Donc, début des années 2000, Dexia a acheté une filiale en Israël. Et vu que l'objectif de Dexia en général et le groupe Dexia en total était de financer des municipalités directes, on a pensé que probablement le filiale en Israël va financer non seulement des communes en Israël, mais aussi dans le territoire occupé. Et donc, on a fait une recherche parce qu'on pense une banque comme Dexia, qui à ce moment-là, 2008, était le plus grand multinational belge, s'il est impliqué dans l'occupation, c'est inacceptable et on doit réagir. Et grand avantage était, ce que tu viens de dire, que c'était une partie de l'entreprise était dans les mains des pouvoirs publics. Donc, c'est direct nos représentants qui décidaient ce qu'ils faisaient en Israël et dans le territoire occupé. Et donc, on a fait la recherche, trouvé la preuve, et en novembre 2008, on a lancé une grande campagne pour que ça s'arrête le plus vite possible. Ça a été une campagne très, très longue. Elle a réussi finalement. Vous avez abouti. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi cette campagne?
Donc, le plus important aspect était qu'on voudrait gagner. On était convaincus que c'était inacceptable. Toutes les cartes étaient sur table pour réussir. Et donc, on a dit, on va foncer maintenant et on ne va pas arrêter ni après un an, ni après deux ans, ni après trois ans, mais on va jusqu'au bout. Et ça, c'était la motivation dès le début. Et ça nous a donné aussi la motivation de continuer aussi dans des périodes plus faibles ou plus doux. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, on était préparé. On a visité l'Assemblée générale de Dexia plusieurs fois. On connaissait beaucoup plus le dossier que le président de Dexia même, à ce moment-là, M. Dahan, ou M. Mariani, un protégé de M. Sarkozy. Et chaque fois quand il essayait de répondre à nos questions, on pouvait approfondir la campagne. Donc, motivation, c'était connaissance du dossier. Et une troisième chose, c'était aussi, on avait eu un petit, au début, la campagne a déclenché avec, oui, on ne peut pas dire on était heureux avec ça, mais soit, on avait lancé en novembre 2008. Décembre, on avait l'attaque à Gaza. Donc, beaucoup de gens étaient intéressés, mais vu qu'on avait préparé la campagne pendant deux ans, on a commencé la recherche en 2006, on était prêts pour accueillir tous ces gens qui étaient fâchés. Et ça va arriver de nouveau, on est sûr de ça. Donc, les gens qui veulent démarrer la campagne, il ne faut pas s'inquiéter, tu vas avoir des gens qui veulent t'aider parce qu'une nouvelle guerre va venir. Et un deuxième aspect là-dedans, on a eu de la chance parce que 2008 aussi, septembre, c'était la crise bancaire. Donc, les gens voudraient réagir contre les banques et autour de la Palestine. Et nous avions juste une campagne autour d'une banque en Palestine. Donc ça, on a eu de la chance. Mais sans la motivation et une bonne connaissance, le troisième aspect n'a jamais fonctionné, bien sûr. J'ai lu aussi dans les comptes rendus de ces actions que vous avez donné beaucoup d'importance à bien réfléchir aux formes d'action et à vous renouveler et à ne pas faire toujours la même chose. Donc ça nous a pris 2-3 mois avant qu'on avait conclu les exigences précises. La première action qu'on a faite, le 12 novembre 2008, c'était sous le titre « Dexia hors Israël ». Bien sûr, on est pour cela, hein, ce n'était pas ça le problème, mais on était dans le mouvement en solidarité avec la Palestine, avec les organisations qu'on connaisse déjà, qui sont toujours là, qui font un travail merveilleux, mais on voudrait faire une campagne plus large. Et donc, on a mené le débat avec le premier signataire, c'était une 15-20 organisations, et on a un peu changé d'approche dans notre exigence, et on dit, on veut que Dexia arrête ce financement dans le territoire occupé, qui n'est pas la même chose que Dexia hors Israël, ça c'est clair. Mais vu que c'était une banque... Et vu donc, que... c'est une concession que vous avez faite, un petit recul, pour avoir beaucoup de gens avec vous. Oui. Et c'était aussi assez, comment dire, malin dans ce sens-là. Finalement, on avait 85 organisations qui ont soutenu la campagne, mais on connaît ce qui se passe en Israël. On sait comment il fonctionne. Et l'économie Israël et dans le territoire occupé est une. Donc, si Dexia est obligé de quitter le territoire occupé, d'office, ils sont obligés de quitter Israël. Et c'est même à un certain moment... quand on a fait une grande polémique, les organisations des colons des territoires occupés qui ont dit « Maintenant, on doit boycotter Dexia parce qu'eux ne veulent plus investir dans le territoire occupé. » Donc, ils ont mis en question le travail de Dexia en Israël même. Donc, et d'une telle sens, on était, pour nous en Belgique, on a touché un public très large et l'effet était la même chose, juste en changeant un peu le titre de la campagne. Très bien. Donc, avec une bonne tactique et la volonté d'avoir un front très large, on peut obtenir des victoires. Shall I speak in English ou en français? In English? Of Netherlands? I will speak English, but you can speak French. Ok. Je comprends. Adrien Hof, vous publiez des articles et de la documentation sur justement les compagnies européennes qui flirtent, je vais dire, avec Israël, dans un média qui s'appelle El Trolik Inifada. Ma première question, on va prendre l'exemple du fameux tram de Jérusalem, derrière lequel il y avait une entreprise française importante qui s'appelle Veolia. Et Veolia voulait donc, avec ce tram, relier l'ouest et l'est de Jérusalem. Bon, mais le tram, c'est un mode de production, c'est un mode de transport très écologique, donc pourquoi s'énerver?
Well, it was not acceptable because the settlements are illegal according to international law. C'était inacceptable, les colonies sont illégales en droit international. An occupying power is not allowed to transfer its citizens to the territory it occupies. It's a war crime. Une puissance occupante n'a pas le droit, c'est un crime de guerre, de transférer ses citoyens dans la zone qu'elle occupe. So the tramway would facilitate Israel's grip on East Jerusalem, and that's inacceptable when you think about the rights of the right to self-determination of the Palestinians. Le but d'Israël était en fait de s'emparer du territoire de Jérusalem-Est. And therefore, Veolia became a target of boycott activists all over the world. It was a global campaign. Veolia est donc devenue la cible d'une campagne de boycott. And finally, also, there was a group of people who was like with Dexia, very determined that Veolia should leave its involvement in facilitating the occupation. Et comme pour Dexia, il y avait un groupe de gens bien décidés à chasser Veolia. And it was really an international collaboration where people came up with information, where there were activities in the US, in France, in Spain, all over Europe, South Africa. C'était donc une campagne très internationale en Grande-Bretagne, États-Unis, tout ça. And Veolia lost contracts in several cities, so they paid a price. Veolia a perdu plusieurs contrats dans différentes villes, donc ils ont payé le prix. And in the end, they decided to sell Veolia Israel. Ils ont donc vendu leur firme là-bas. But it took some time to find a buyer because no European company would like to buy a company which Mais is ça leur a pris target. Du temps parce qu'aucune firme européenne n'avait envie d'acheter ça. And in the end, Israeli company sold Veolia Israel. Donc ils ont finalement vendu. Une autre compagnie qui a été ciblée, c'est la compagnie de sécurité J4S qui aidait Israël pour ses prisons. Yes, as we know, there are many Palestinian political prisoners right now, more than 6,000, and over 300 are children. They are held in Israeli prisons. 80% of the prisoners from the West Bank are held in Israel itself, and again, this is a war crime. Et donc, J4S a s'occupé de une grande partie des prisons israéliennes, et 80% des prisonniers de la Cisjordanie sont dans les prisons en Israël. And G4S provided services to the Israeli prison service in terms of security, so securing that Palestinian prison. Et J4S fournissait ses services pour ça. Mais là aussi, ils ont dû partir. Yes, because it's a bit the same with Veolia. G4S was present in many European countries. Comme pour Veolia, J4S est présent dans de très nombreux pays européens. And public institutions also use the services of G4S. Collaborant aussi avec les services publics. And there you have public money should not be invested. Et donc il y a de l'argent d'État, des fonds publics. And G4S lost contracts. Ils ont perdu des contrats aussi. More importantly, maybe their image was harmed. Et le plus important, c'est sans doute leur image. Oui, ça serait ma conclusion finale. Donc, vous êtes en train de nous dire que les compagnies européennes ont très peur pour leur réputation. Exactement. That's the key. Sometimes we feel we don't have power, but if you really work together and have a clear goal and are determined to reach the end result, companies, when they know we are determined, at a certain point, they will make a calculation and say, donc, si vous tenez bon, si vous travaillez longtemps, si vous mettez la pression, à un moment donné, les sociétés vont faire le calcul de ce que ça coûte. D'accord. Très bien. Je demande à Olivia Zemmour, Myriam, de me rejoindre, et je demande aussi à la technique
de bien vouloir projeter le film qui montre les actions d'Olivia et de toute sa bande, je peux dire, de toute sa compagnie. Et les images valant mieux qu'un long discours, on va commencer par voir l'action. Film, un activiste averti là sur le marché, regardez bien les produits que vous achetez. Mais quand j'ai annoncé le débat d'aujourd'hui, j'ai encore entendu la réponse, « Oh ben Israël, c'est simple, je cherche le code 729, je vois que c'est Israël, je boycotte. » Ça ne va plus. Non, ça fait une dizaine d'années que ça ne fonctionne plus, parce qu'effectivement, 729, c'était un repère, ça n'allait plus. Maintenant, ils mettent n'importe quoi, et je pense que l'important, c'est de regarder ce qui est écrit sur les emballages, y compris sur les cajots, et même sur les lingettes pour bébés, en tout petit derrière, il y a marqué « importé d'Israël », parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël est fier de pouvoir mettre son nom un peu partout et de montrer qu'ils sont là, ils sont présents. Donc, en vérité, c'est... Quand on ouvre les yeux, ce n'est pas très compliqué de le savoir, même sans le code 729. Dans les supermarchés, comme on l'a vu là, vous pouvez, excusez-moi, foutre le bordel, gentiment, mais le bordel quand même. Et comment vous accueillent les consommateurs ? Alors d'abord, on ne fout pas le bordel, on donne des explications aux consommateurs, on demande des explications aux responsables. Ceux qui foutent le bordel, c'est ceux qui laissent entrer dans nos pays des produits des criminels de guerre, des produits de l'occupation, et ceux qui acceptent de les mettre en rayon. Donc, vous le voyez dans le bref extrait du film, les consommateurs sont intéressés, applaudissent, y compris les caissières des magasins qu'on est obligé de flouter pour pas qu'elles aient d'ennuis ensuite. Et quand vous criez dans les magasins « Israël assassin, Carrefour complice », comment réagissent les gérants? On a vu qu'ils tiraient un peu de drôle de tête, là. Ben, les gérants, si vous voulez, ne sont pas fiers, hein, les responsables des magasins, parce qu'ils savent, ils font maintenant des chartes d'éthique dans tous les magasins, et ils ont arrêté de vendre des produits fabriqués par les enfants, etc. Et ils savent que ces produits, c'est immoral de les mettre en vente. Donc, d'ailleurs, ça les amène souvent à tricher sur l'étiquetage. Israël envoie avec le mot Israël, mais eux, souvent, ils mettent autre chose sur les ardoises pour tromper les gens. Et ils ne sont pas fiers. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire engagée en France par un magasin. À chaque fois, vous c'est par le lobby israélien. Pour ce que vous avez fait. Jamais. Ah si, on a été embêtés. Mais par le lobby, si, y compris en justice. Mais par le lobby israélien ou par l'État français sur la demande du lobby israélien. Jamais un magasin, Carrefour ou autre, ou Lidl, où on se pointe, n'a porté plainte. La vidéo montre un Palestine Tour, là, dans une dizaine de villes françaises, qui a l'air vraiment très sympa. Pourquoi vous avez choisi une forme d'action ludique avec musique, spectacle, etc.? Alors, le Palestine Tour, on le fait régulièrement, et je commence par vous inviter tous à participer au prochain, qui est du 14 au 24 juillet. Comme vous avez vu, il n'y a pas d'âge, les enfants sont bienvenus, et vous passerez un très bon moment, parce que effectivement, on décide que, si vous voulez, la Palestine, c'est déjà un sujet très difficile à cause du chantage à l'antisémitisme, à cause du fait que ça dure depuis 70 ans et que beaucoup de gens croient que ça ne va jamais s'arrêter et qu'ils ont un sentiment d'impuissance. Donc, si là-dessus, on n'est pas capable d'être attractif dans nos actions pour faire passer les messages qu'on a à faire passer, si on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si on n'est pas capable donc de montrer que qu'il y a une diversité parmi nous, il y a des femmes qui sont voilées, d'autres qui ne le sont pas, il y a des gens de tous âges et de toutes les couleurs parmi nous, si aussi nous-mêmes militons quand même, on s'inscrit dans la durée, si c'est une corvée de militer en permanence, si on n'est pas capable d'avoir des moments chaleureux entre nous, de rire, de chanter. La chanson, la musique, c'est très important. D'ailleurs, on a une chorale euro-palestine qui, à chaque fois qu'il y a des nouveaux, ils viennent, ils rentrent dans la chorale, ils apprennent les chansons, et quand on chante, on les distribue.
au public pour qu'ils puissent chanter avec nous. Et aussi, ne pas se priver de l'humour. L'humour, l'ironie, malheureusement, là, il n'y avait pas les sous-titres, alors qu'ils y sont normalement en anglais, des chansons de Carmel Jaffa, rien que le nom du groupe Carmel Jaffa, avec un K et un J, bon, vous voyez, mais l'humour, l'ironie, ce sont des armes dont il ne faut pas se priver. Donc, par exemple, quand la troupe de danse israélienne Batsheva est venue en France, on l'a accueillie avec des soldats en tutu, où on a fait des défilés de mode palestinien sur ce qu'on a appelé Gaza plage, quand la maire de Paris a voulu faire un Tel Aviv sur Seine, etc. Bien, ma dernière question, tu penses que le boycott peut vraiment être efficace contre Israël ? Premièrement, j'attends qu'on me propose un autre mode d'action qui soit, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a plus efficace et plus praticable. Deuxièmement, c'est quand même les Palestiniens qui lancent cet appel et ils ont analysé la situation et ils se sont rendus compte que dans toute l'histoire des luttes, le boycott a eu toujours un rôle émancipateur, que ce soit, je dirais, face au colonialisme de, britannique avec Gandhi, que ce soit la ségrégation aux États-Unis contre les Noirs, ou que ce soit un exemple qu'on donne souvent, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et je crois que si effectivement Israël a créé un ministère spécialement chargé de s'occuper du BDS, c'est bien que ça pose un problème. Mais je dirais peut-être que, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours sur le plan économique que les coûts portés sont les plus douloureux pour Israël ou d'autres pays. Si tu prends l'Afrique du Sud de l'apartheid, Mandela et l'ANC avaient choisi 4 cibles. Les oranges à Outspan, le raisin d'Afrique du Sud, le cricket et le rugby. Tu ne peux pas dire qu'économiquement, ça a fait tellement de mal à un pays qui avait des mines d'or, des mines d'argent, des mines de diamants. C'était plus de devenir un paria qui est gênant. Et en ce moment, tu entends beaucoup d'universitaires israéliens se plaindre que quand ils vont maintenant dans des universités, eh ben, dans le cadre d'échanges universitaires, ils ne sont plus accueillis comme avant. Et des fois même, on leur dit non, merci, ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin, ou ce n'est pas possible en ce moment, etc. Et je ne crois pas que les Israéliens qui ont pour beaucoup un deuxième passeport, un passeport européen, et envie que d'être accueilli comme on est accueilli nous quand on arrive à l'aéroport de Tel Aviv. Donc je pense que il y a beaucoup de signes au niveau du tourisme, au niveau de beaucoup de choses, qui montrent que économiquement il y a des choses qui jouent. Mais bon, quand tu vois ce que Israël vend grâce à ces tests d'armes sur les Palestiniens, à ces tests de technologie de répression, quand tu vois tout le fric qui se font, je suis pas sûr que c'est des actions sur les dates ou les oranges, ou même, je crois qu'on va en parler sur, pour nous c'est une cible prioritaire sur les médicaments. On va en parler, mais voilà, tout à l'heure, le docteur. Voilà, sur Teva, qui est quand même le numéro 1 mondial du générique. Mais on va en parler beaucoup, il y a un docteur, voilà, qui va nous rejoindre. Donc même ça, je pense que c'est pas sûr que ça soit tellement sur ce plan-là, mais en termes d'image, qu'on est en train de marquer des points. Je me tourne vers Myriam, on est en Belgique, on était bien obligé de parler de patates, et nos patates dans nos supermarchés, elles sont belges quand même. Pas du tout, donc les gens achètent souvent les pommes de terre et ils ne font pas attention, mais dans cette période-ci, en mois d'avril et de mai, nos grands magasins sont inondés par les pommes de terre israéliennes. Donc c'est vraiment très très grave. Donc surtout c'est les primeurs, les pommes de terre primeurs. Souvent ce sont des bio. Donc pour le moment ça se trouve déjà chez Aldi, chez Colruyt. Où est-ce qu'on les produit? Ils sont produits en Israël même, dans le Negev. Et donc là aussi c'est vraiment scandaleux. Donc il faut 100 litres d'eau pour produire 1 kilo de pommes de terre. Donc, quand nous allons dans... Oui, et en plus, c'est un problème d'apartheid, parce qu'on gaspille de l'eau, et juste à côté, à Gaza, les gens n'ont pas assez d'eau potable. On sait faire de la pomme de terre en France, en Belgique.
Oui, bien sûr. Et donc, en fait, nous allons dans les grands magasins parce que c'est un sujet tellement facile à aborder avec les gens. Nous vivons dans un pays de pommes de terre, donc la discussion est très facile à entamer et tout de suite, on nous donne raison. Ben oui, évidemment, c'est absurde. Et alors, on entame la discussion sur Israël. Donc, c'est très profitable parce que d'abord, c'est partout. On discute avec les gens, ce n'est pas une action dure, on discute, on donne un flyer où on explique où est-ce qu'ils sont produits, etc. On discute sur le parking ou sur la voie publique et en même temps, il y a des militants qui vont à l'intérieur et qui collent des étiquettes sur tous les sacs. Et on explique surtout bien aux gens, il faut regarder d'où vient le produit. Les gens ne regardent pas. Et donc, pour les pommes de terre, en général, dans le rayon, ce n'est pas marqué. Il faut prendre le sac en main, le retourner parfois pour trouver. Et donc, il faut le faire. Et donc, on constate quand même que de plus en plus de gens font vraiment attention. Et ce qu'on fait aussi sur le parking, c'est on demande aux gens de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec la vente des pommes de terre. Et donc, on demande qu'ils se font photographier avec un panneau pareil qui dit « Je boycotte Israël, je ne veux pas des pommes de terre d'Israël dans mon magasin ». Et donc, ça marche très bien. Donc, quand on a une bonne discussion avec les gens, on demande si on peut les photographier. Et donc, on a des photographies des gens sur le parking avec leur caddie. Et aussi, ça fait partie d'une campagne que nous faisons contre la criminalisation, je suis flamande, de BDS. Et personne donc, on fait ça avec d'autres panneaux pour montrer que BDS a un soutien populaire. Donc, on combine un petit peu l'action oui. Pompe de terre avec et les autocollants. Je pense que vous employez aussi ce petit autocollant. Je lis, produit dangereux pour les droits humains et la démocratie. Ce produit vient d'Israël, pays qui viole en permanence et gravement les droits humains et le droit international. L'acheter, vous en rendrez complice. Je pense qu'on peut trouver ça à votre stand oui. Ici un peu plus loin. Et donc c'est loin. Un bon autocollant parce qu'il tire l'attention, produit dangereux. Mais tout le monde va regarder. Hein, donc vous pouvez en prendre au stand. Je dois dire que j'ai flashé, donc oui. Vous pouvez trouver ça au stand de la plateforme Charleroi Palestine. Vous pouvez trouver ici aussi la nouvelle version, le boycott d'Israël, pourquoi, comment. On se demande où j'ai été chercher le titre de la journée d'aujourd'hui. C'est une brochure très très bien faite. Sur pourquoi et comment, avec énormément d'infos intéressantes que je vous recommande et qui est au stand que Olivia anime. Je vous remercie pour cette intervention. Et j'appelle Mick Napier, Carmen Claessens et Liv Franzen pour la question de la culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan de la culture. Mick, do you have this? Yep. You come from Scotland, and this is a beautiful picture of your action. Cette magnifique photo montre l'action au tribunal où le comité qu'anime Scottish Palestine Solidarity Campaign, qu'anime Mick Napier notamment, manifeste devant le tribunal. Antisémitisme is a crime, anti-Zionism is a duty. On va en parler de ça tout à l'heure, sur la criminalisation du mouvement, justement. But now, I would like to ask, a certain Hillary Clinton was very concerned about you and about some money and you. Can you explain? Well, I guess I should talk about our relationship with Hillary Clinton. There are many people who could talk about their relationship with Bill Clinton, I think, but our relationship with Hillary Clinton was perfectly political. I think what she does is explain how important cultural boycott is, how seriously it's taken by the opposition, and the lengths they will go to stop even a modest cultural boycott effort. Shall I continue?
Explain why your action seemed, was in relation with the Edinburgh Festival and the action of boycott. The Edinburgh International Film Festival, we worked with somebody you know called Ken Loach when the Edinburgh International Film Festival had some Israeli embassy sponsorship money. We had no objection to the film, it was nothing special, but we objected to the Israeli embassy sponsorship money, and we campaigned and forced the festival to return the money to the Israeli embassy as dirty money, as tainted money. We didn't know in 2009, 20 people in Edinburgh, a budget of £1,000 a year, we didn't know that in the State Department in Washington, they were organizing to defeat us. You probably know that Hillary Clinton had a small problem with her emails. She used private emails for government business. So a federal judge forced her to publish thousands of emails. And those emails are very revealing indeed. They're almost a manual for how to take forward cultural boycott. Millionaires in America lobbied Hillary Clinton to intervene. You must intervene in Edinburgh and stop these anti-Semites, these Nazis. You have to stop them because this is very dangerous. And what she did was she contacted the British government, the Scottish government, and she said this, it's very important. She said she set up a special group in Washington to advise her how to, I mean, we're talking about £300. £300, it's what she and her friends spend on a meal. Environ 400 euros maintenant. And they're working overtime to force the festival to re-accept the money from the Israeli embassy. They think it's a big thing, a big thing. And what she says is, she says we need to operate top-down and bottom-up. And I think this is so important. It's not enough to go top-down, to ask people at the top to take action. It's important, but it's also important that we have a radical democratic approach to cultural boycott. It's not just for cultural workers, it's for students and firefighters and unemployed and teachers and everybody else, because it's a powerful lever against the State of Israel and the snipers on the Gaza border. So when you look at these emails, which you're never supposed to see, you are not supposed to see these emails, and we would never know these emails existed except for a quirk, for an accident. But what they tell us is that, I like to say, this is like the swan or the duck paddling on the water. They want you to think everything is quiet and graceful and we are not troubled. But underneath, they're paddling furiously to try to stop our activity. They don't want people to know that they are genuinely concerned and afraid, even about a small group of people pushing BDS. And I think that's the lesson of my honest relationship with a Clinton. Bien. Vous voyez que j'ai un problème parce que j'ai un peu provoqué Mick en lui parlant de sa relation avec Hillary. Donc, difficile de l'arrêter quand il veut rétablir son honneur. Mais je vais essayer de faire un résumé pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'anglais. Il a donc expliqué que dans les emails qui ont été dévoilés de Hillary Clinton, que nous ne sommes jamais supposés lire, il était écrit que cet homme était très important et très dangereux et un peu nazi, parce qu'il avait, avec tout le groupe que nous voyons là, mobilisé contre la présence de réalisateurs et d'un film israélien dans un festival culturel à Édimbourg avec une subvention de 300 livres, environ 400 euros à l'époque, je pense, que le gouvernement israélien avait versé à ce festival. Ils ont fait pression pour que la subvention soit remboursée. Israël était furieux et donc Hillary Clinton s'en est occupée personnellement. Il a dit c'est à peine le prix d'un déjeuner pour elle, sans doute. Mais elle s'en est occupée, elle a mobilisé une série de gens pour qu'il y ait un plan pour essayer d'obliger le festival à quand même accepter les 300 livres du gouvernement israélien. Donc, il a aussi expliqué
que l'action sur la culture, elle est importante, pas seulement pour les artistes, mais aussi pour les gens qui la consomment, si je peux dire, même les travailleurs, les sans-emploi, etc., que la culture est un moyen très, très important pour toucher. Et donc, effectivement, leur action avait été jugée extrêmement dangereuse. So that will be my final question now. Do you think Israel is really afraid by your small actions? Of course not, but they're afraid, and the email explains this, they are afraid of the potential to spread. That's what they're afraid of, and that's why they behave in such a totalitarian way to try to shut down everything that we do. Voilà, ils ne sont pas effrayés par les actions, mais par le fait qu'elles pourraient se répandre. One final word, if I may, because we're talking about criminalization later. But you know there's a bill going through the US Congress, and I think it's got almost 50% support. And everybody in this room... Il y a donc une résolution du Congrès des États-Unis qui est en train de se préparer avec déjà 50% de soutien et chaque personne dans cette salle... And everybody in this room has a price on their head of $1 million and 20 years in prison if you organize BDS. Et vous avez donc sur votre tête, ici chacune de vous, une étiquette, $1 million et 20 ans de prison si vous organisez une action BDS. Sometimes we get tired, but then we get a message from Washington that we are worth $1 million each and 20 years in prison each, and everybody here is worth $1 million, and we should know that. Et donc, parfois, on est fatigué, voire découragé, mais on doit savoir que chaque personne ici dans cette salle vaut $1 million, et ça doit nous encourager. Je remercie Mick. Je voudrais dire qu'on a parlé beaucoup en anglais. Il y a des informations très intéressantes avec des documents sur ce qu'il a signalé et d'autres intervenants. On est obligé de faire très court. Alors, j'ai demandé qu'on vienne chercher ces petits cartons à faire circuler dans la salle, Myriam, s'il y a moyen. Pour rester en contact avec nous, inscrire votre adresse email, ça vous permettra d'être au courant de la vidéo du débat qui sera diffusée, diffusable, qui je crois sera utile. Vous voyez bien qu'il y a déjà une grande qualité des interventions. Nous sommes en train de préparer un livre sur BDS et vous pouvez aussi nous communiquer votre action. Donc voilà, je demande que chacun inscrive son adresse qui bien entendu sera gardée confidentiellement, pour être tenu au courant et pouvoir, vous aussi, nous communiquer des informations utiles. Je me tourne vers Liv Franzen, qui est directrice musicale de la chorale Brecht-Eisler, qu'on entend ici en Belgique, souvent dans des manifestations progressistes, ailleurs peut-être aussi. Et donc, il y a 3 ans, a été fondée, c'est un peu compliqué à prononcer, le BACBI Culture, c'est-à-dire... Bagby. C'est Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel. Ouais. Mm-hmm. Et pourquoi? Pourquoi? Ça fait déjà des années qu'on travaille un peu sur Israël et Palestine. Plus spécifiquement, on a eu un grand challenge avec l'expo de Michael Boromans. Michael Boromans, un de nos grands peintres, qui allait faire une exposition à Tel Aviv. On a écrit une lettre avec plusieurs personnes qui étaient en Palestine et qui se sont mobilisées. On a écrit cette lettre et il a répondu avec une très grande lettre et ça a lancé différents articles dans des journaux, même un dossier sur De Morgen, dans le monde néerlandophone, sur ce boycott culturel. Donc, vous arrivez quand même à avoir des grands noms aussi qui s'engagent. Oui, le même s'est passé aussi avec Yann Fabre, qui est fort connu aussi, Yann Fabre. Et heureusement, on a aussi des gens ici en Flandre, surtout, des gens comme Alain Platel, par exemple, qui défendent très fortement le boycott. C'est à ce moment qu'on a lancé ce campagne de Bagby, et ça a déjà... Donc, on a écrit des lettres, des invitations aux artistes. Et par exemple, il y avait un artiste, Miet Warlop, qui est une jeune femme de Ghent, de Gand, qui voulait exposer à Tel Aviv, qui ne voulait pas signer bon. Donc sa maison, Campo, c'est une maison théâtrale de Gand. Il y avait toute une discussion, des lettres, des discussions, et ils ont tourné de point de vue.
et même que le directeur de Campo maintenant... Vous arrivez à faire changer les gens en position. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un grand travail, mais c'est très important, je trouve. Et certainement, si ça se transforme aussi dans des discussions dans les journaux, où les gens... C'est surtout sur ce plan-là qu'on travaille, nous, avec Bagbou. Ce sont des gens intellectuels, des académiciens. D'abord, on est très fiers d'avoir 500 profs des universités qui se sont mis derrière notre appel. C'est beaucoup pour les artistes, pour un petit pays comme Belgique, quand même. Et pour les artistes, c'est moins. C'est moins parce que le monde des artistes, c'est un peu difficile. Parce qu'ils se Il y a un problème. Est-ce qu'on a un peu l'idée que l'art doit rester neutre ou quelque chose comme oui, ça? Oui, c'est un peu ça. Hein. Les gens pensent qu'avec l'art, on peut encore changer les choses. Les artistes pensent toujours qu'ils peuvent... C'est Yann Fabre qui écrit ça. Hein. Mais moi, je ne peux changer rien. Ce n'est pas à moi de changer des choses dans le monde. Tu vois? Donc, c'est aussi ça... Et ça, c'est intéressant, je trouve. Ça mène aussi à la discussion. Quelle est la place de l'artiste dans le monde? C'est toujours là qu'on a eu des discussions avec Alain Franco, par exemple, un pianiste fort connu aussi. Hein. C'est un homme de bonne volonté et tout. Hein. Mais ça tombe toujours sur ce point-là. Qu'est-ce que la position des artistes dans le monde? Donc j'entends que vous avez des victoires, mais pas toujours. Je crois qu'avec Nick Cave, ça n'a pas bien réussi. Non, avec Nick Cave, non. Mais récemment, il y a beaucoup de victoires. Par exemple, maintenant, avec l'affaire de Natalie Portman, l'actrice américaine qui a refusé d'aller à Tel Aviv pour recevoir le prix Genesis, le plus grand prix en Israël. Elle a refusé et ça a fait un boom, vraiment un boom, dans les journaux en Amérique, en Israël aussi, on a dit on doit leur retirer sa carte d'identité, on doit faire ça. Des paniques, des réactions de panique. Puis vous avez quand même une grosse célébrité, Roger Waters, qui a pris des positions formidables. Oui, et avec lui, Ken Loach, récemment, avec toutes ces discussions ici à ULB. Oui, ce sont des ambassadeurs très forts, c'est très bien, oui. Alors, je me tourne vers Carmen Klassen, responsable de INTAL, de l'Organisation de solidarité des campagnes sur la Palestine. Et vous avez fait des actions en Anvers. Oui, on fait beaucoup de choses. Je suis aussi de Antwerp for Palestine, c'est une autre organisation. Donc, je suis dans les deux. Et en Anvers, on fait beaucoup de choses. On essaye de parler de race awareness. Bien articulé. Je ne sais pas. C'est zeg maar ja, wij proberen in Antwerpen mensen te informeren. On essaye à Gand d'informer les gens. Om straatacties te doen bij... Les actions de rue. Ja, met de actualiteit gaande. Via l'actualité. En culturele activiteiten ook om de mensen Palestina te leren kennen. Et des activités culturelles liées à la Palestine. Oui. Met Nick Cave, zoals je er juist gezegd hebt, hebben wij ook in het kader van een internationale campagne... actie gedaan bij zijn concert. Nous avons à la campagne internationale. Ja, hij ging optreden in Israël, in Tel Aviv. Il devait se présenter, produire à Tel Aviv. En bij zijn concerten in Europa, ik denk bij 28 van zijn concerten, zijn er acties geweest om hem proberen te overtuigen om daar niet op te treden. 28 artiesten se sont rendus, se sont adressés à lui pour essayer de l'empêcher d'y aller. En in verschillende steden in Europa waren er acties. Et beaucoup de villes en Europe aussi. En in Antwerpen ook. Maar helaas, hij is wel gegaan. Maar we hebben heel veel succes gehad bij de mensen die gingen kijken. Onze flyers werden vol enthousiasme meegenomen om nog op het podium te gooien. Nous avons beaucoup d'intérêt des gens, y compris en lançant nos flyers sur le podium. Mais bon. Ok. En général, quel est l'impact de votre action sur le public? Veel mensen weten niet wat er gebeurt. Beaucoup de gens savent ce qui se passe. Et met zo'n straatactie, met een gigantische vlag bij en pancartes. Avec les pancartes et les flyers dans les actions de rue. Maak je mensen wakker en informeer je. On éveille la conscience des gens. Ja, voilà. En ik denk dat op sommige momenten... wij wisten op voorhand de kans dat Nick Cave gaat zeggen, ik ga niet, is klein. Maar we hebben die actie ook gedaan om heel zijn publiek aan te spreken, om voorbijgangers en op een druk kruispunt aan te spreken. En daar hebben wij wel veel succes mee. Parfois, nous savons que nous allons pas empêcher l'artiste de se produire, mais nous le faisons pour nous adresser au public. Oui. Un conseil aux gens? Blijven gaan.
continuer et maintenir. Bien, nous avons terminé avec la première partie de nos panels. Deux minutes avant de vous libérer, je vais lancer un appel financier parce que nous avons voulu absolument que l'événement soit gratuit pour permettre aux jeunes et aux gens sans moyens d'y participer. Il y a quand même un budget, évidemment, qui est lié au voyage de certains invités, à l'impression des affiches, des flyers, du matériel, etc. Donc, en gros, ça tourne autour de 2000 personnes. Bon, les reports de salles font qu'on n'a pas eu autant de monde qu'on voulait, mais... Merci, Liv. Mais j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit avant. Ouf. Mais donc, on compte sur vous pour que l'événement ne soit pas en déficit, bien entendu. On travaille tous bénévolement, mais il faut que ces comités qui ne sont pas riches puissent rentrer dans leurs frais. Donc, on espère, vous allez avoir à la sortie, là-bas et là-bas, des drapeaux palestiniens. On vous demande votre contribution très, très généreuse pour nous aider à boucler ceci, à notre budget et à pouvoir...